Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau niveau de Tomb Raider 2, le masque d'or. Cette fois-ci, on va s'attaquer où nous nous sommes arrêtés, donc c'est-à-dire à l'heure du fou. Voilà. Donc oui, normalement, avec j'ai une nouvelle version de Fraps, donc normalement ça devrait plus déconner. Ça devrait plus avoir de lag. Normalement, je ne devrais plus avoir de lag. J'ai mis aussi un nouveau codec aussi pour améliorer la qualité vidéo. Pour rendre mes vidéos un peu moins sombres. Donc oui, comme je disais. J'ai mis un nouveau codec. Parce que bon, je trouvais que mes vidéos étaient quand même assez sombres. Et que YouTube assombrit les vidéos. C'est pas la peine de les assombrir davantage. Donc voilà, on continue. En compagnie de Lara Croft. Oh, oula, oulala. Je me suis mangé le mur. C'était pas prévu. Bien. On continue. On va actionner. On va profiter pour actionner le levier. Enfin, le levier. L'interrupteur, plutôt. Ah, il m'a touché quand même, sans foirer. Allez, 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 vite, vite. Va dans l'eau, va dans l'eau. On va attendre un peu qu'il s'en aille, parce que là, je me suis fait encore avoir. Oula. Bon, j'espère qu'il va pas me tuer. On va essayer de vite se barrer. Juste, juste. Bon, un peu, il me grille le cul. Si je puis dire. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait un deuxième là-bas. Oui, oui, exact. J'avais oublié. Oh là là, je fais de la merde aujourd'hui. On continue, c'est pas grave, on continue. Alors là j'ai actionné l'interrupteur, je prends quand même une petite pharmacie. Parce que sinon ça va pas le faire. Alors on est gaspillé pas mal. J'en ai gaspillé pas mal. On va quand même récupérer une mission. Ce serait dommage de les laisser. Donc on va aller par là. Alors, on va actionner l'interrupteur pour aller chercher le premier secret de ce niveau. Très important si on veut avoir le cinquième et dernier niveau. Donc, cette caisse, on va la sortir. Donc, ouais, normalement, avec la nouvelle version de frappe, parce que généralement ça devrait plus laguer. Je l'ai essayé, apparemment ça lag pas. Et deuxième surprise, j'ai remarqué qu'il fait plus des vidéos partie par partie. Des parties de 3,95 Go. C'est des vidéos entières. Et j'ai même l'impression qu'elles sont plus légères aussi. J'ai l'impression qu'elles sont plus légères au niveau giga. Alors je sais pas si c'est une impression. Mais c'est vrai que... Bon déjà j'étais content quand même quand j'ai vu que... Déjà que j'ai vu que ça laguait pas déjà, donc ça m'a soulagé. Et du fait aussi que maintenant il n'y a qu'une seule vidéo en fait.
Donc ça aussi, ça c'est génial aussi. Donc voilà le premier secret. On va mettre les pièces d'or. On continue. Vous l'aimez. Donc là, on se place bien ici pour ouvrir la porte. Voilà. Voilà qui est fait. Voilà. On va activer l'interrupteur. Ouais, qui est bon. Donc ici il y a le deuxième secret, mais on va, pour le moment on pourra pas le récupérer. Donc on récupère rapidement. Là on va prendre le M16. Ouais. On voit qu'il y a des petits gars qui sont apparus. Voilà. Un de moins. Et attends, est-ce que je vais pouvoir l'atteindre lui? Ouais, c'est bon. Donc là, on va reprendre notre petit flingue. Oui. Ah, n'oublie pas de tout ramasser, hein. Vu qu'il n'y a que 4 niveaux, ça serait con de laisser des trucs. Donc là, on poursuit. Un petit corbac en moins. Voilà, donc attention, normalement il y en a un qui va apparaître derrière. Voilà. Faut oublier sa pharmacie. Sa petite trousse de soins. Donc, alors, avec ce mini interrupteur, là on va faire attention au chien. Ouais. Donc maintenant qu'on a récupéré le petit circuit, on va ouvrir la porte qui se trouve en face. D'ailleurs, là, on va procéder à une petite sauvegarde. On va mettre le circuit directement et on va sauvegarder juste après. Voilà. Là, on va prendre directement le M16 parce que là, il y a un gars avec la motoneige.
Eux, je les aime pas. Oula, j'y vois que dalle. Voilà, là c'est mieux là. Il est là-bas. Il est là-bas. Oh là 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 là. Petite pharmacie vite. Oh là là, que je les aime pas ces motards. Hein. Ah, je les aime pas ces gars. Je les aime pas du tout. Donc là, on récupère les munitions. Les torches qui est là-bas. Bon, on va prendre la motoneige. Ça nous sert à rien. En fait pour éclairer en fait, si je tire c'est quand en fait c'est pour éclairer en fait. C'est mieux que les torches. Ouais. Donc, du coup on a récupéré le passe. Alors là, attends. Quand même sauvegarder. Je préfère être prudent. Je sais pas où il va surgir. Donc voilà, lui c'est réglé. Ah, lui on va récupérer sa forme. Ah non, mais il est en bas. Il est en bas. J'avais zappé qu'il était en bas. Mais c'est pas grave, à la limite on va le tuer avec la motoneige. On flinguera avec la motoneige, comme ça on économisera des balles. Pas oublier les munitions, ce serait dommage. Voilà, donc là on va vite se bouger parce que là il va arriver. Je vais voir le passage. Voilà. Là c'est bon, il n'y a plus de motoneige, on est tranquille. Alors, on va juste récupérer ça. Et on va pouvoir aller en face parce que là on va récupérer de l'armement. On va prendre des pistolets là. Sa pharmacie, là-bas je crois au bon au fond, pardon, il y a des torches, me semble-t-il. Voilà. Donc et en haut, normalement en haut il y a le lance-grenade. Là où il y avait, là où il y a le gars avec le fusil à pompe. Enfin où il y avait le gars. Cette première caisse, enfin cette seule caisse parce qu'il y en a qu'une ici.
On va récupérer les balles de grenade qui se trouvent là. Là, ça va Ah. ouvrir la porte du fond, ici. Et ces balles de grenade vont Ah. ouvrir la porte du fond de l'autre côté. Ici, qui va nous donner le Ah. lance-grenade. Tout simple. Tout simple et tout con. Donc là, on va dans l'eau, on actionne le levier. Et on se barre. Voilà. Encore un bon niveau. Qui est ce Tomb Raider 2. Ce masque d'or. Vraiment une extension que j'apprécie particulièrement. Car je le trouve vraiment très 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 bon. Donc là, oula, il y a un petit rat. Voilà. Alors, on récupère les munitions. Là, on va ici. On sort d'ici. J'ai récupéré le deuxième secret. Ah ben non, c'est pas encore qu'il faut récupérer. C'est vrai, je suis bête. Non, non. C'est maintenant qu'il faut le récupérer. Non, mais c'est moi, je sais pas grave. Je suis bête. Voilà, on ouvre cette porte. Voilà, et là on va pouvoir récupérer, comme on l'a vu, le secret. Donc il faut revenir ici. Voilà, il faut revenir ici. Et continuer par là. Voilà, donc là, je vais prendre. Alors, attendez, je vais activer l'interrupteur. Je vais prendre le M16. Où elle est. Ça ira plus vite. Voilà. Voilà, on récupère les lingots et on se tire. C'est vraiment bien ce système de niveau secret en débloquant avec les secrets d'ailleurs, donc c'est vraiment intelligent d'avoir fait ça. Ça motive vraiment à chercher tous les secrets, quoi, quand même. Donc là, on va prendre le pompe. On va actionner l'interrupteur, on revient en arrière. Alors lui, il va nous donner le deuxième pass qui va nous servir à ouvrir la porte. Voilà. On va faire un petit saut sur le côté. Voilà. Et on actionne l'interrupteur. Et voilà. C'est tout bête. Voilà. Donc on continue. Donc là, faire attention. Fouetter. Donc là, normalement, il va y avoir des petits gars. Voilà.
Mais il me reste de munitions. Bon, 28. Ça va. Donc on recule cette caisse. Vais quand même prendre une torche. Au cas où. Voilà. Celle-ci aussi, on l'a recule et on va récupérer les munitions derrière. Normalement, il y a l'autre qui arrive. Ouais. Si, nickel. Vous pouvez aller. Alors, on va récupérer les munitions. Comme d'habitude. J'en étais sûr. Bon, je vais y arriver ou pas? Quand même. Tout est fini. Alors, on continue ici. Après. Attention au mec où on spam. Mais c'est quand vous voulez les gars. Donc là aussi je comprends pas, des fois on peut pas tirer à travers les grilles. Et là ici oui, c'est très bizarre. Allez! Maniez-vous! C'est chiant! J'aime pas ces passages-là. Bon, vous me direz, je pourrais aller ouvrir la porte, mais bon. Vu que c'est des gars qui ont un lance-flamme, ils sont un peu dangereux, j'ai pas envie de. Voilà, moins d'un. Allez, le deuxième. Allez. Allez, le deuxième, allez. Et ouais, vu qu'ils sont un peu dangereux, ces gars-là. Une petite save parce que ça fait un petit moment que j'ai pas savé. Ça commence à faire un petit moment. Là, je crois qu'il y a un gars aussi derrière avec le lance-flamme. Voilà qui est bon. Alors là. Oui, il y a des trucs à ramasser ici aussi.
seule maladie quand même qu'on a avec Tomb Raider, toujours tout ramasser. En même temps, t'es un peu obligé. Mais bon, c'est vrai, c'est rigolo. Ils sont toujours obligés de tout ramasser. C'est rigolo. Là, combien j'ai de vie là? Ouais, ça devrait le faire. Oula, non, ça le fait pas. Non. Voilà, c'est bon. C'était juste, mais c'est bon. Bon, lui, de toute façon, il a rien. Donc là, normalement, on arrive bientôt à la fin du niveau. Là, on va récupérer le troisième secret. Et hop. Petit saut. Tranquille. Voilà. Et là, ici, il y a le troisième secret. Voilà. Donc là, on va prendre le M16. Voilà. Nickel. Nickel chrome. Et voilà. On est bientôt arrivé au terme du livre. Au terme. Oh là là, j'y arriverai pas. Hein. On arrive bientôt à son terme de ce niveau. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Donc voilà, encore un niveau bien sympa. Un assez long niveau. Avec la faire attention quand on tombe. Voilà. Ouh, j'ai cru que j'allais tomber en bas. C'est un squelette phosphorescent. Donc là, on va prendre cette petite échelle. Enfin petite. J'ai toujours la seule manie de minimiser les choses. Il est toujours petit. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc la petite technique là, au lieu de les... Bon, c'est pas grave. Elle est tombée toute seule, mais c'est pas grave. Au lieu de vous laisser glisser, de vous laisser tomber, parce que sinon vous glisserez et vous arrivez à la fin du niveau, mettez-vous comme j'ai fait moi, comme ça vous pouvez aller là et récupérer la grande pharmacie. La grande trousse de soins. C'est pas négligeable. Sauf que bon, il n'y en a pas des masses. Enfin, il n'y en a pas des masses, il y en a, mais bon. Toujours bien d'en prendre une supplémentaire. Alors donc là, on voit qu'on a changé de décor. On est dans un décor moins accueillant. Et voilà. Enfin, je dis pas que le décor du début était plus accueillant, mais ici avec des visages pas très très chaleureux, disons-le. Enfin bref. Voici ce niveau à présent achevé. Voilà, 29 minutes. J'espère que ce niveau vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a plu. Je vous dis donc à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus tout le monde.